10 mars 1849, samedi matin 11 heures. Je suis encore dans mon lit, mon bien-aimé, pour économiser mon bois d'une part et reposer mes pieds de l'autre. Je voudrais me mettre en état de reprendre mes courses avec toi lundi. Aussi, je fais tout ce que je peux et je prends toutes les précautions pour ne pas irriter davantage mes stupides pieds. Si je ne parviens pas à les calmer et à les guérir, ce ne sera pas de ma faute et je ne saurai plus qui faire et que n'y pas faire, car j'aurai essayé et usé tout. J'ai oublié de te faire baigner les yeux, ce qui m'a contrarié on ne peut pas davantage. Rien ne m'est plus désagréable ces oublis-là. Surtout que tu as eu si peu d'occasion de baigner tes pauvres yeux adorés. Enfin, je suis un être absurde, ce n'est pas de ma faute. Tout ce que je peux faire, c'est de m'en vouloir à la mort, et c'est ce que je fais de tout mon cœur depuis hier au soir. Je ne te prie même pas de me demander pardon, tant je suis furieuse. Mon Victor adoré, je vous aime jusqu'à me rendre responsable de tout ce qui vous arrive d'ennuyeux et de mal, et pour y mieux réussir, je me déteste de fond en comble. J'espère que tu n'iras pas à l'assemblée avant de venir me voir. Si tu faisais cela, tu me ferais beaucoup de chagrin. Sais-tu qu'en somme, je t'ai à peine vu hier? Si tu avais eu le sang, comme tu serais venu déjeuner avec moi ce matin. Autrefois, tu n'y aurais pas manqué. Maintenant, c'est tout le contraire. Tu ne manques jamais de manquer. C'est lâche. Baise-moi et tais-toi. Juliette.